tous et nous vous présentons la première émission d'Inspecteur Copie et Plagiat. Non mais faut le dire, on vit dans un climat où tout le monde accuse tout le monde de plagiat. Mais ça a toujours été comme ça dans le milieu artistique. La musique, les films, tout. Il se passe pas deux mois sans qu'il y ait un article qui sorte, bidule, accuse un tel d'avoir plagié sa musique, etc. Mais ce qu'on veut savoir c'est, est-ce que ce sont vraiment des plagiats? Et c'est là que les professionnels entrent en scène. Pour détecter un plagiat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut étudier la musique de très très près. Oui, et comment on étudie très très près une musique? En faisant ça, n'est-ce pas? Alors attention, nous allons parler uniquement des plagiats musicaux dans cette vidéo. On commence avec du très lourd parce que là, en 2018, l'année a commencé comme ça. Lana Del Rey qui sort une nouvelle musique et Radiohead, un de mes groupes préférés, qui fait STOP! Ouh! Écoutons ça, d'accord. Oui. Oh, vous jouez des guitares, inspecteur plagiat. Inspecteur plagiat, donnez-leur un concert, allez-y. Je vous observe. Waouh! Attendez. Écoutons maintenant Lana Del Rey. And I'm a creep. Oh, c'est un scandale! Non! Ça me fait penser à Squeezie qui copie PewDiePie, ça. Plagiat ou pas plagiat? Mais attends, mais on dirait que... Mais oui! Mais ouais, c'est ça, plagiat! Oh, warning! Inspecteur copie! Il semblerait que Radiohead aurait copié! Quoi? C'est un triple plagiat! Voilà. Là je sais pas. Inspecteur plagiat, j'ai une fois dans ma carrière élucidé une enquête. Ça a fait mon succès, le juge Henri était fier de moi sur ce coup-là. Très bonne musique hein, d'ailleurs. Mais inspecteur copie, pourquoi me faites-vous écouter ça? Mais tout simplement car c'est une copie d'une chanson qui s'appelle Illumination, André Dudek. C'est scandaleux. Inspecteur plagiat, regardez votre tête. C'est fou. Mais non mais c'est plagiat. Qui me révolte dans cette histoire. Déjà c'est la copie du truc, mais surtout le flow du refrain, ça suit juste la mélodie qu'il n'a pas créée. Ça suit juste le truc derrière qui fait David, putain mais qu'est-ce que tu fais, David? On t'aimait. Nouveau plagiat. Alors ça rentre dans les cadres des gens où peut-être on sait pas s'ils veulent vraiment des thunes ou si vraiment ils ont été plagiés. Tu vois ce que je veux dire? Libéré, délivré. Tu connais ça? Et alors, okay. C'est quoi le problème avec ça, mon cher? Il y a James Kiro qui est pas content. Il y a aucun rien qui est pareil. Nico. Il veut des thunes. Excusez-moi, mais ce mec veut juste des thunes, quoi. Il veut juste que Disney lui donne des millions. C'est refusé. Les inspecteurs copier plagiat ne valident pas du tout. Ah, celui-là, je crois que je le connais. Ça a 10 ans. Ça a 10 ans. C'est fou. Ah ouais, putain, ça passe si vite. Nous avons Joe Satriani, un très grand je connais. Guitariste. Je connais. C'est dur, là. Mais je n'ai pas besoin de mettre mon stéthoscope, inspecteur plagiat. Je me demande tout le temps si c'est volontaire ou pas, là, par exemple. Et ça, c'est parce que t'as dansé et t'as chanté sur cette musique non, des milliers de fois. Mon ça. Historique ne m'influence pas, monsieur plagiat. Là, tu dirais qu'il n'y a pas plagiat. Là, il faut que tu digères, là. Attends, faut qu'il digère, là. Pour les gens, il faut savoir que Joe Satriani, c'est une putain de légende. Hein. C'est pas un mec qui est nobody. C'est un guitariste de ouf qui a. C'est une légende de sa mère. En vrai, c'est grave possible qu'il soit inspiré du. Attention! Warning! Coldplay aurait encore copié sur la même musique? Non, dans le même son. Ça s'appelle Creaky Boards, The Thongs I Didn't Write, sorti en 2008 sur MySpace. Donc déjà le mec il voulait pas trop buzzer. Là-dessus, je suis moins folichon là. Ça ressemble, mais je pense vraiment pas que Coldplay serait allé plagier un groupe MySpace. Peut-être même que Creaky Boards aime beaucoup aussi Coldplay. Enfin, tu vois, du coup, ils ont un style un peu similaire. C'est possible aussi. Il y a un truc dans le plagiat où en fait, des fois, il y a deux cerveaux, ok, qui vont avoir juste les mêmes idées parce qu'ils sont inspirés par les mêmes choses, ils aiment les mêmes trucs et du coup, ils vont pondre des choses qui sont similaires. Ouais. Mais ça veut pas forcément dire que l'un copilote. Et je trouve que là, bon, il y a juste la note, c'est qui tient. Nanananana. Pas suffisant. Le plagiat, je suis rassuré. Que vois-je? Je découvre un autre plagiat. À nous de rétablir la vérité. Ah si, celui-là, mec. Plagiat. What? Non. Ah bah tiens, il y a nos visages là. Plagiat. 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 Arrêtons. Il aura fallu 4 secondes. 4 petites secondes. Non, il manque juste les...
Faut le remettre pour le plaisir. Vas-y, vas-y. Non mais c'est abusé. Alors pour l'anecdote, Robin Fink a du coup donné beaucoup d'argent aux enfants de Marvin Gaye qui malheureusement est décédé. Et attends, c'est pas qu'il a donné beaucoup d'argent et ça va, c'est qu'il a donné tout ce que ça lui a rapporté. Donc genre, ne pas plagier. Là par exemple on parle pas de sample, on parle pas d'inspiration, on parle de vraiment copier chaque instrument, c'est grave. Alors. Non. Mais si. Mais non. Warning. Won't you stay with me. Donc Sam Smith, Stay With Me. Ceci est un plagiat. Enfin, mot de l'histoire de cette histoire. Sam Smith a rajouté Tom Petty dans les crédits de sa musique. Ah ouais. Bah oui. Et le fin mot du fin mot, c'est que Tom Petty est décédé récemment et donc Non, je pense qu'il est décédé en voyant la chanson. Il a vu Stay With Me, il a fait quoi? What? Il a fait play? What? Un petit dernier. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Ils ont fait l'Eurovision, hein. C'est des gens qui ont fait la France à l'Eurovision. Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. What? Mais non, mais c'est une reprise, mec. Mais what? Là, alors là, je vous dis, la brigade anti-plagiat n'est pas contente. Et tu sais ce qui me scandalise en plus? Stromae, il fait une chanson sur son père, sur le fait d'avoir un manque peut-être affectif du père. Et eux, ils prennent la même mélodie et ils font un truc sur « J'aimerais bien avoir une moustache ». Mais Stromae en plus. Cher plagieur, Robin Thicke, tu vois, c'est malin parce que c'était bien vieux, c'était là, tu plagies pas un truc d'il y a 2 ans que tout le monde connaît. Ils vont vraiment chercher pas très loin, si je peux me permettre. C'est exactement la même mélodie. Et surtout, le flow, c'est pareil quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'inspirent pas mal. Ce qui m'embête, moi, c'est que ça crée un climat de bon bah personne n'a de talent, tout le monde doit copier quelqu'un forcément. J'en ai moi-même fait les frais. J'avais fait une blague dans ma vidéo sur les jeux vidéo. Je parle des cartouches Pokémon qui n'ont qu'une seule sauvegarde. T'as pas sauvegardé, j'espère. Ah bah si, je viens d'attraper un Roukoul niveau 4. T'es marrant, toi. Et il faut savoir que cette blague a été faite en France, quelques mois ou quelques années avant, dans une vidéo comique. Et du coup, les gens ont dit « Ah, je ne connaissais pas Usul, l'auteur de ce truc-là. » Et on m'a dit « Ouais, c'est du plagiat et tout. » Je pense qu'il faut juste bien faire la différence entre deux contenus similaires, parce que les gens ont les mêmes envies, ça arrive qu'il y a des gens qui aiment la même chose dans la vie, et deux contenus identiques, mot pour mot, note pour note, comme dans les musiques, tu vois. Ouais. Où là, c'est du plagiat, et là, c'est attaquable en justice. D'une manière... là, c'est German qui t'avait copié aussi, un putain de youtubeur espagnol hyper huge. Les capsules de canettes qui pètent. Je déteste les interrupteurs à l'extérieur des toilettes. Il faudra appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Chouac. Crota. Chez Red Bull. De la stratosphère! Oui! Red Bull. Chez Dailymotion. Elle a fait 200 vues. Oh le bug! Russio. Ребят! Cette situation. Salut les filles. Oui, oui, c'est moi. C'est. Примерно вот так. Здравствуйте, дамы. Я Денис. Me prends le postillon et je fais style de rien. L'histoire, elle est pas si si importante. Пытаешься не показывать виду. Alors que dans ma tête, je dois prendre une douche. Примерно вот это. Voilà, mais ça. Bon d'accord, t'as gagné. Yes, à moi quand tu croches, Snapchat, Instagram. Et le tout dit pour les vidéos. Si, si, mais t'es pas chouchou quand même, tu mets une clé, je viens sur Instagram. Bon, tiens, tu feras attention, c'est mon premier téléphone portable. Toutes les volte que vorrai. Je prends une photo marrante. Et il te reste combien de pourcents? 6%. 5%. Sette% di batteria. E tu? 9%. Ho vinto io. No, cazzo.
Bon bah là, on est vraiment sur de l'identique, sur la même thématique, etc. Donc à l'avenir, si vous avez un doute, notre numéro s'affiche. Vous appelez la brigade anti-plagiat. On va statuer si c'est un plagiat ou pas. On est très bien équipés, je sais pas. Mettez-nous dans les commentaires s'il y a d'autres trucs que vous pensez qu'il y a plagiat. Et on va statuer si vous voulez d'autres vidéos du genre là. Ah non, mais je vais encore être triste. Il va encore être triste. N'hésitez pas à mettre un pouce où vous voulez. Abonnez-vous.